On se disait, c'est bon, le ballon il est là-bas, j'ai pas de solution, je reste là. Il n'y a pas assez de mouvement, on propose pas assez, c'est ça le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le 7? Mais je pense, les gars, je pense que c'est vraiment. Les gars. Il y a Abès qui va rentrer en 10. Je pense que c'est vraiment le genre d'équipe, un peu comme quand on avait joué, je sais plus quel match vous avez dit ça, c'est pas la peine d'aller chercher trop haut. Qu'ils fassent tourner la balle derrière, franchement, on s'en branle quoi. Bon, replaçons-nous, et dès que le ballon il a passé sur leur ligne milieu, là on est en place et là on va récupérer. Mais c'est pas la peine d'aller faire du pressing de fou quand même sur le libéro et tout, parce que par moment on s'est retrouvés haut tous les deux, et ils arrivent encore à faire des décalages et à prendre des difficultés. Faut mieux qu'on se replace, nous, tac, on fait une deuxième ligne, tu sais. Après le pressing, on le sent, hein, quand ils vont être perdus derrière, on sent qu'il a reculé 2-3 mètres. Là, on sent qu'on peut y aller. Parce que Steph et Miro, dès l'instant que vous vous replaciez, c'est pareil, on récupère un paquet de ballons à chaque fois. Là. Donc c'est pas mal. Les changements, là, Didier va rentrer milieu droit. Milieu droit, arrière droit. Donc Lolo qui sort un petit peu. Cyril et Bébert, vous sortez aussi. On va faire rentrer Miro, tu vas passer en pointe. D'accord ? Avec Abès derrière toi et Thomas rentre milieu droit. Le reste, pour l'instant, on bouge pas. Cyril, tu rentreras certainement au bout de 25 minutes par là. D'accord ? On verra avec qui. Hein. On verra selon les étapes.